Votre temps de loisir est bientôt épuisé. Pensez à accumuler des heures d'activité productive. Bah oui, ça je sais déjà, merci. Ouvre mes mails. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous cumulez désormais 3 contraventions de type 7. Veuillez procéder au règlement sous 48 heures. Souci de contravention. Bien sûr, alors. Pour s'affranchir d'une amende, il faut aller au 6e étage, porte 613. C'est le bureau des affranchissements des amendes. Non, justement, c'est mon souci, c'est que j'ai une contravention, mais je n'ai pas de voiture. Ah, donc vous voulez l'immatriculer? Non, je vous dis que je n'ai pas de voiture, j'ai même pas mon permis, en fait. Ah, bien sûr. Dans ces cas-là, il faut vous rendre au 4e étage. Porte 401. C'est le bureau des examens du permis en candidat libre. Ça y est, pour quoi faire? Bah, pour passer le permis. Robert, c'est combien en cas de non-présentation du permis? 6000 unités. Plus l'immobilisation du véhicule. Ah oui, ça charge sévère, hein. Non, mais tout ça, je sais déjà, je vous dis que je n'ai pas de voiture, je veux juste contester une contravention. Mais vous n'avez pas de voiture? Oui, absolument, oui. Donc c'est juste une réclamation? Oui, sans doute. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit dès le début, on aurait gagné un temps fou? Alors, nom? D'Arsignac. Prénom? Paul. Paul, vous l'écrivez comment? Non. Robert? C'est quel bureau déjà pour les réclamations légitimes? 232, le premier, à ce plancton. Voilà, renseigné. Merci. Allez, bonne journée. Bienvenue à la préfecture générale. Citoyens, Varzignac, veillez à ne pas stationner dans les couloirs de façon prolongée afin de ne pas entraver le travail des administrateurs. Merci pour votre coopération. Bonne journée. Bonjour, je vous attendais. Ah bon, vous êtes sûr? Parce que je cherchais le bureau 232 pour les réclamations légitimes. Oui, on a fusionné, pas assez rentable. Ah. Installez-vous. Oui. Alors, c'est pour quel type de réclamation? Eh bien, c'est simple. Depuis le début de la semaine, j'ai reçu 3 contraventions de type 7 qui correspondent à un stationnement gênant. Et vous voulez les contester? Il va falloir des preuves. Ou alors, vous connaissez peut-être quelqu'un qui, actuellement, est en situation irrégulière vis-à-vis de l'administration. Vous êtes sérieux? Bon, vous savez, de nos jours, la délation, c'est un très bon moyen de monter dans la hiérarchie sociale. Pas plus tard que la semaine dernière, un collègue qui était citoyen de classe 3 est passé citoyen de première classe, en dénonçant son voisin qui faisait du trafic de temps de loisirs. Alors écoutez, j'ai pas besoin de ça et j'ai un très bon alibi, c'est que je n'ai pas de voiture. Et vous pouvez prouver que vous ne possédez pas de voiture? Écoutez, je pense qu'il y a une erreur administrative, tout ceci est parfaitement ridicule. Je n'ai pas de voiture, je n'en ai jamais eu. Vous devez bien avoir une solution pour moi, non? Ben, il existe un programme confidentiel qui permet de rediriger les contraventions vers un citoyen choisi aléatoirement. Le seul problème, c'est que seul le préfet en possède une copie. Son bureau est au 3e. 128. Alors si vous pouvez le subtiliser discrètement, je pourrais en faire bon commerce et régler votre problème.
Non mais vous êtes fou ou quoi? Je suis venu pour contester ces contraventions et vous allez m'indiquer la marche à suivre, c'est tout. Très bien. Votre demande est tout à fait légitime. Je vais prendre en charge votre dossier. Il vous faudra juste un justificatif de non-possession de véhicule, le formulaire 9568 au 109, bureau des justificatifs d'inexistence. Des justificatifs d'inexistence. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez peut-être me renseigner? Vous voyez pas que je suis occupé? Vous pensez que les journées passent toutes seules? Vous mettez les horloges à l'heure? Une seule. Et c'est déjà un job à plein temps. C'est l'horloge centrale. Toutes les horloges de l'immeuble dépendent de celle-ci. Toutes les minutes, une nouvelle minute, c'est la consigne. Je comprends pas. Y a rien à comprendre. C'est la consigne. Une minute toutes les minutes, une heure toutes les heures, un jour tous les jours, un mois tous les mois. Oui, j'ai compris. Ouais. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que les horloges avancent toutes seules, normalement. C'est ce que vous pensez tous. Il y a 6 ans, nous avons fait face à une rupture temporelle. Toutes les horloges se sont stoppées et les employés avec. Des dizaines d'heures de productivité perdues. Donc depuis, la consigne n'a pas changé. Tac. 11h17. Attendez, je suis un peu confus. Vous faites ça depuis 6 ans? En effet. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Ouais. Ah, vous savez où je peux trouver le bureau des justificatifs d'inexistence? Le 460, au 3e étage. Vous pouvez pas le rater. Merci. C'était clair pourtant. Interdiction formelle pour le stagiaire de toucher au justificatif et encore moins au bulletin officiel. Vous avez bien reçu la circulaire interne, n'est-ce pas, Liliane? Oui, je me rappelle bien de la circulaire interne, c'est juste que... Vous rendez-vous compte de la situation, Liliane? Est-ce que vous imaginez les conséquences? C'est irréversible! Pardon, je suis vraiment navré de vous déranger en pleine réunion. En fait, j'ai juste besoin du formulaire 9568. Je suis bien dans le bureau des justificatifs d'inexistence, c'est ça? Oui, en effet, c'est bien ici. Mais suite à une erreur de notre stagiaire, nous avons émis un document stipulant que ce bureau inexistait. Ah oui, c'est bête. Comme vous dites. Donc, s'il n'y a pas de bureau de justificatif d'inexistence, nous ne pouvons pas vous délivrer de justificatif. Par conséquent, ce que vous êtes en train de me demander, c'est une contrefaçon de fichier officiel. C'est bien ce qui me semblait. D'ailleurs, dorénavant, tous les justificatifs d'inexistence seront considérés comme des contrefaçons et devront être détruits. Je vous avoue que ça m'arrange pas du tout, ça. Liliane, nous allons procéder par ordre chronologique en commençant par les plus anciens. Monsieur, si vous voulez bien nous excuser, nous avons du travail ici. Alors si vous avez besoin d'aide, vous vous adressez à l'accueil, merci. Bon, on reprend. Il faudra juste un justificatif de non-possession de véhicule. 6e étage, porte 613, c'est le bureau des affranchissements des amendes. 6000 unités, plus l'immobilisation du véhicule. Le formulaire, c'est le 9568. Une minute toutes les minutes, une heure toutes les heures, un jour tous les jours, un mois tous les mois. C'est peut-être une solution pour vous. C'est pas tout à fait légal. Votre temps de loisir est épuisé. Veuillez reprendre une activité productive immédiatement. Excusez-moi, monsieur le préfet. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, monsieur le préfet. Vous voyez bien que je suis occupé, là. Oui. Si c'est encore pour une histoire de concert de musique traditionnelle tzigane, ça n'est pas possible. Ah non, pas du tout, non, ça n'a rien à voir, non. Je souhaitais simplement porter à votre attention un possible trafic de temps de loisir dans mon quartier. Ah. Du temps de loisir, vous dites? Et oui, oui, absolument. Nous allons regarder ça ensemble. C'est très grave. Asseyez-vous. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Comprenez bien que je ne peux pas tolérer qu'une telle activité se déroule impunément sous les yeux de nos enfants. À qui le dites-vous? C'est une activité en plein boom. Il faut absolument que nous mettions un terme à tout cela. Nous allons programmer une intervention immédiatement. Donnez-moi l'adresse, citoyen.
Oui, bien sûr. Alors, c'est l'appartement 107, juste entre le 593 et le 212, au numéro 20 de l'avenue 74, juste avant la 82, district 9. Évidemment, quartier de délinquants. Ah oui. Je vais faire valider l'intervention immédiatement. Et je reviens prendre votre identité et voir ce que nous pouvons faire pour améliorer votre quotidien. Merci infiniment, monsieur le préfet. Merci. À tout de suite. Tout est programmé. Nous allons pouvoir... Désolé. Poussez-vous! Ceci n'est pas un exercice. Toi, tu vas par là. Et nous par ici. C'est quoi ce bordel? Démarrage du système de secours suite au dysfonctionnement de l'horloge centrale. Reprise de la continuité temporelle dans 3. Non. 1. C'est terminé, citoyen. Rendez-moi les documents et tout ira bien. Je suis désolé, ok? Je voulais pas faire de mal. J'en ai juste assez de recevoir ces putains de contraventions! Ne vous inquiétez pas. Donnez-moi le numéro d'immatriculation de votre véhicule et nous allons faire tout le nécessaire. Mais puisque je vous dis que j'ai pas de voiture! Calmez-vous! Céder à la panique ne va pas résoudre vos problèmes. Mais résoudre les problèmes, c'est votre boulot, non? Depuis ce matin, j'ai tout fait. Tous les étages, tous les services. Et vous êtes tous incapables de régler le moindre problème! Bon, ça suffit maintenant! Je vous rétrograde au niveau de citoyen inférieur.
Mise à jour de votre statut citoyen vers la catégorie 4. Mais allez-y! Allez-y, je n'ai plus rien à foutre! J'ai plus rien à perdre maintenant, ok? À vous penser! Très bien. Je vous retire votre statut de citoyen! Formatage de votre statut citoyen en cours. Terminé. Citoyen inexistant. Voilà, vous n'êtes plus rien maintenant, vous n'êtes plus personne! Maintenant, rendez-moi les documents. Bouge-toi. Et la terre à ta creux. Pas par ça. Veillez à ne pas stationner dans les couloirs de façon prolongée afin de ne pas entraver le travail des administrateurs. Merci pour votre coopération. Bonne journée. To the floor, was so lazy. Time gonna do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain in the subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So time to charge me. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to tragedy. Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past two. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to tragedy. Nights are past two. Long gone the rendezvous. Nights are past two. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to charge the thing. Long gone the rendezvous. Nights are past two. Time had a fool out of me. Nights are past four. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to charge the thing.